plusieurs mounes blessés en Babal Karoutchou. Parmi eux, y ont policiers, membres syndicat PNH là, dans le cadre de journée manifestation opposition politique là, ont été organisés samedi 17 octobre là, dans Port-au-Prince pour exiger démission au président République là, Jovenel Moïse. Oui, pendant manifestation ça qui déroulait dans la rue Port-au-Prince, malgré menace affrontement à gang qui regroupait dans Genève à Calieo, plusieurs centaines sympathisants étaient occupés béton en occasion de 114e anniversaire assassinat fondateur nation Jean-Jacques Dessalines. Il y a une manifestation tout dans Jacmel au Kayak au Cap côté dirigeant petit Dessalines Moïse Jean-Charles était dans tête mouvement ça pour exiger démission président Jovenel Moïse sous pouvoir. C'était toujours samedi 17 octobre passé. N'après pour nous parler également des décisions juge instruction Ramon Cid Aksime prend pour convoquer diverses personnalités qui gagnent cité dans dossier Petro-Caribéa. C'est démagogie d'après un avocat parti civil dans dossier ça. D'ailleurs, maître André Michel fait connaître dossier ça pas sous compte juge Aksime encore. C'est plutôt un dossier qui pendant devant la cour d'appel dans Port-au-Prince. Et depuis quelques jours, arrivé fait une carte d'identification nationale tourné un véritable calvaire dans à Sainte Sayo. Question là, Jacques Moun qui gagne un handicap, papa vle dit rien à cadre d'une visite Radio Caraïbe réalisée dans plusieurs centronies où vendredi hein, plusieurs personnages qui gagnent l'âge 70, 75 pour arriver 80 l'année énumérés ensemble trahi à pas passer pour grand messie. C'est un aïeux fait qu'on ait au même exposé Vio et puis traverser en pile quartier chaud pour venir faire quatre alors que c'est gros bourrade et venir prendre la ligne n'a bien pour nous suivre un reportage matériel dans le journal là à Réginal Rémy. Environ 120 000 candidats doivent prendre chemin sans examen jeudi pour année académique 2019-2020. Suivant statistiques, bureau examen l'État Yofoli, il y a environ 120 000 élèves qui devraient participer à l'épreuve officielle Yo sorti lundi 19, arrivé vendredi 23 octobre 2021. 2117 candidats devraient composer pour bac permanent récalé dans le nouveau secondaire NS4, tandis que pour élèves réguliers Yo, toujours NS4 effectif là, c'est 61 254 candidats. Et puis, on a parlé de Michel-Ange François, un policier qui sorti dans la 19e promotion de la police nationale, mourit en Babal la nuit 17 octobre là, dans une discothèque dans la commune Pétionville. Victime Nantes est sorti dans la 19e promotion de la police là, il était affecté dans la brigade d'intervention motorisée. Bim. Et puis quantité accident sur route New York a tendance à augmenter pour seulement semaine sortie 12 pour arriver 18 octobre là, 26 accidents, 6 en plus par rapport à semaine qui est passée avant, 8 moun mouri sous place, 3 cas nayo mouri dans accident à moto, sur un total 51 blessés parmi eux, plusieurs jeunes professionnels selon dernier bilan organisation Stop Accident Météo. Dehors. Dans différentes rubriques New York matin, comment situation météo annoncée pour matin hein, côté c'est possible pour nous connaître une nouvelle onde tropicale. Oui, Haïti en bas menacé une nouvelle onde tropicale selon météo qui fait connaître ça capable arriver sous pays jusqu'à jeudi à sa capoter gros vent à clouage ravaille vent yot et démarré depuis ailleurs dans certaines régions pays qui recevoir en pile l'appui et week-end là qui était très mouillé n'a projet madame Christelle Saint-Georges de commencement. Le journal Lampou, un peu complet sur l'actualité temps pour journée lundi. Et puis après un week-end qui était un petit goût en main et sous capital l'an en particulier, n'a plevé pour une nouvelle semaine très tranquille par rapport à ce jour passé. Koudje sous ville l'an, c'est avec 4x4 là, Mackenzie André. Oui, avec Mackenzie André, toujours dans le commencement, journal l'an. Oui, c'est tout de suite après nous finissons qui temps, l'affaire avec Madame Christelle Saint-Georges. Rendez-vous au 4x4 l'an, c'est toujours à partir 5h35 priorité à apporter pour candidat qui pourra le composer. Baccalauréat matin côté jusqu'à très tard hier soir devant siège officiel examen l'état devant lycée Firmin dans zone avenue Charles Soumer. T'es gain en pile
moun qui était massé sous place na projet Mackinson Remy tout à l'heure pour venir dire nous comment ça y est, comment ville la levé matin. A gagné pour nous reprendre route nationale à New York pour nous rejoindre correspondant permanent à New York, même qui pral dit nous comment zone bon la caillou réveillé pour matin. Et comme ça qu'on est comment reste pays en levé pour matin, nous connaît déjà pas gain nouvelle sans paysan yo cri d'alarme pour commune Beaumont dans département grand dans ce côté révélé pour pipiti 60 jeunes filles tombées enceintes dans un seul collège dans zone nan yo recensé 41 cas n'a bien pour nous parler dans journal la matin depuis Jérémy à Guillaume Michel qui c'est responsable ONG local IDET initiative départementale contre traite trafic timoun qui était mené enquête ça avec correspondant permanent nous dans région Frankel Maginer nous pour regarder réalité a pour reste commune département grand ensemble même journal bien pour nous parler à différents correspondants nous concernant ça qu'a passé dans zone la caillou entre-temps qui ça qu'a passé la caillou voisin dominicain nous yo qui ça journal dominicain yo écrit matin problème économique décision nouvelle administration qui commence bail en pile problème violence c'est quelque dans ça nous lit dans journal dominicain au matin Alexandre Galvez. Et bonjour Bob, bonjour Fat. Effectivement, nous les journalistes indiens nous ont conséquences par ce cyclone et l'aura sous Santo Domingo. Continue à faire sentir et parler de lui. Il y a un mois après, il y a un monde qui a été écrasé et qui est toujours abdominé dans la rue. Et bien, c'est quand une jeune dame, journaliste indien, qui a parlé avec lui. Entre temps, la situation économique n'a pas fin bon, malgré l'apparence, le gouvernement vient décider de réduire 50% dans l'argent qui est allé pour parti politique. Il y a un pile bouchon pour ça déjà, décision pas normale, et bien côté, il y a un pile et bric à courir déjà. Bonheur comme ça, il y a un deuxième mandat pour lui, Abinadel. Bien, pendant une tendance oubliée, massacre Touyo contre 37 000 Haïtiens, je dis à faire nos 83 ans, et bien journal Diario Libre, et bien, à fouiller en pile secteur en Dominicani, et bien cité et avec bouche touri quatre provinces à yo que Touyo Teba Vincent Litebayo Inch Saint Raphaël Saint Michel de la Talaye avec la Scawas en récompense il était payé chaque haïtien à $6.75 à l'époque là il était sur le code de vente $275,000 après le massacre là. Nous parlons de tout PNL maintenant et bien Godelosa qui pétait hier soir et en dernière heure, c'est dans le journal El journal Nouveau Diario, côté Gampil haïtien qui prend une balle, et bien haïtien qui gourmet avec militaire, et bien le président qui était demi-mot, et selon sa nouvelle dans l'hôpital, Rosa Dualte, et bien Elias Pignan, c'est non sans Zabouka, mon compagnie Zabouka qui est l'agroportal Macapi, et bien plusieurs haïtiens, et bien prend pile coup de balle, un pile coup de machette, point, et bien nous demandons matin pour immigration, pour l'État haïtien, un consulat haïtien, débarquer dans Elias Pignan, parce que plusieurs compatriotes déjà à l'hôpital. Il y a un soin et nous pas qu'à connaître que pas gagné qui mourit sous le champ pendant que tu as protesté dans le champ d'Aboukassa. Et bien pour nous finir le matin, nous parlons inverse de là, nous le matin, nous allons comparer deux malécognos. Comment ça est, et bien 83 ans après, tout était en Haïti, il devine regarder, et bien qui ça va 43 ans après, deux malécognos, comment ça est en Dominicani, matin à 7h dans leur pays d'Haïti. Oui, leur pays d'Haïti, leur République Dominicaine, leur Zilea. Dans Politoscopie, matin, nous avons rendez-vous avec Rudy Stanley Pen. 17 octobre qui se passe à rappeler le nom Papa Nation qui a été assassiné pendant plusieurs décennies. Il était même interdit pour citer non dans le pays. Il y a un crime qui était impuni. C'est pour raison ça, nous allons avec Rudy Stanley Pen, la Politoscopie pour semaine ça. Qui sa impunité a yé? Qui impact ça gagne sur le destin tout un peuple. Et puis l'international, l'élection présidentielle lui a dimanche là en Bolivie, plusieurs sondages montraient Luis Arce présenté comme dauphin Evo Morales Tadroué et remporté l'élection Sayo depuis dans le premier tour. Entre-temps, coronavirus n'a pas campé sous couscous, le continent européen a fait face à une deuxième vague depuis hier dimanche là, il a déjà atteint 250 000 morts. Belgique instaurée à partir jeudi à même j'ai acquis Italie en couvre-feu. La Suisse sous-bopale annoncé les pral renforcer mesures, restrictions et actualités internationales. Là, c'est bien. Ici, là, dans le journal ça, journal mondial là, à Clidy, Alexandre, et puis jeudi à ces journées mondiales contre la douleur. Et puis, déjà, on a pas annoncé 62 gouttes, 34 hein, pour taux référence BRH pour jeudi 19 octobre. Et puis, matin, on a pas gagné pour nous parler et commenter actualité politique là avec Paul Denis pour Uniforce. Et puis, on a pas gagné réaction. OPC, Office de protection citoyen à travers protecteur citoyen.
citoyen Renan Edouville sous incident qui était arrivé dans Delma 35 là côté agent URGPN Nantes mourir et selon information yo c'est agent DCPJ qui est attouillé dans le cadre d'une opération. Bonjour Grégory, bonjour la jeunesse haïtienne, bonjour chaque auditeur, auditrice qui est déjà branché Radio Caraïbes, c'est toujours un devoir pour nous informer sur cette situation temps qui concerne les zones Caraïbes-là sur l'Atlantique-là, aujourd'hui lundi qui fait 19 octobre 2021. Et bien, ça a été possible, c'est grâce avec OFNAC, AAN, ministère agriculture et ministère intérieur. Nous gagnons action en tropical qui en déplacement mais en tropical sali active sous portion ouest pays Cuba. Li gagne derrière li environnement qui était déjà gagné humidité et ça qui permet à chaleur journée à effet local qui pourrait faciliter activité la pluie de façon isolée à quelques coups de l'orage dans le département centre, la Tibonite, l'ouest, ni Grandens, dans fin après-midi à Soya. Pour Port-au-Prince, action qui entoure nous, possibilité activité la pluie isolé à bon cas coup de l'orage toujours était possible encore dans fin après-midi surtout à Soya. Pour la meilleure c'est précaution, prudence zone côte non gonfla gonave à zone côte sud. Soleil là il a prouvé matin à 6h44 et la couchée à 6h24 pour le mardi matin à 6h45. Température à pire école par la journée entre 28 à 35 degrés Celsius en moyenne et la tombée dans la nuit là entre 18 à 25 degrés Celsius en moyenne. C'est là nous mettons en bout dans ça qui gagne pour nous, dans affaires météo entre temps, on a prouvé matin avec patinoa qui a bombardé avec nuage, mais reste à bien petit nuage, à bien soleil tout. On a prouvé, merci équipe là, auditeur, auditrice Radio Caraïbes, nous souhaitons passer un très bon lundi avec une excellente semaine positive. Rendez-vous pas maintenant pour continuer à nous informer et pour aller pour demain mardi. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup, madame Christine Saint-Georges. Où m'est allé, on va pouvoir bondir la vie. Hein? On va passer un bon lundi, une bonne semaine ensemble avec nous. Et puis, la méthode disponible pour nous demain matin pour deuxième numéro. Côté mardi 20 octobre 2020. Quoi elle est là, nous venons prendre tension temps, c'est tension béton, tension la rien avec 4x4 là, Mackenson Rémy, PRL. Oui, avec Mackenson Rémy qui peut faire un focus sur l'examen officiel, l'État au cap démarré. Jeudi, à mais n'a pleuvé dans Port-au-Prince qui calme, c'est par rapport à tension qui était marqué week-end non, oui, jeudi, c'est lundi, jour démarrage, examen baccalauréat, côté devant siège officiel, l'examen ça y est, soit venu Charles Sommerlin jusqu'à très tard. Hier soir, nous t'es un pile moun massé, mater encore, full moun ça semblait toujours là, Mackenson Rémy, ou franchi foule là, ou en dansant là, et ou ap dirigé vers et organisation examen sa yo, personnel qui mobilisé pour déroulement examen sa yo, qui soit constaté matin par rapport à décor nous décrit hier là, et qui ambiance dernier touche ou ap mette pour démarrer examen au matin, Mackenson Rémy. Bonjour. C'est toujours même ambiance, Bernard René, et plusieurs responsables à l'école, toujours massé. Et là où il y a des vols lycées fumés, et après faire des matchs pour capable finaliser les questions examen yo, et dans zone ça côté nous là, n'a bien pour nous parler tout à l'heure comme ça avec le directeur et départemental là. Bonjour Bienvenel René, bonjour Gaye Dieu seul, bonjour Christelle Saint-Georges, c'est moi-même Mackenson Rémy qui a présenté comment Port-au-Prince réveillé pour matin. Trois axes qui connectés avec Pétionville, levé 12 par 8 pour matin. Bus qui a chargé Pétionville déjà descend par Boudou sans problème pour matin jusqu'à Port-au-Prince. Mais t'es gagné une machine qui s'est avirée 4 mois le matin, en zone 3h du matin. Mais machine t'a déjà remoqué. Donc machine qui a sorti, bon, primatu, zone RO. T'as bien pu faire pile précaution parce que jusqu'à maintenant, mon sauveur est toujours dans la zone. Donc faut que tu prennes pile précaution sur tous les abdés de monde. Donc il y a besoin de mon sauveur ça y est, directement, et bien, on est loué dans la zone RO, mais avec un pile précaution. Si on sorti Pétionville, t'as qu'un abdé vert, donc capable de descendre sans problème pour matin, hein. Plusieurs petits bus qui sont de Pétionville, déjà passés par des bourses de votre macro mais en sotodisaï, puis ils descendent sans problème. Maintenant, nous montons, nous descendons, maintenant, c'est coup de pain, et la police toujours là dans le canapé vert pour accompagner la population.
même j'ai la police sous boudon toujours là tout c'est comme ça situation hier pour matin soit ceci Pétionville pas Delma ou capable de descendre sans problème pour matin plusieurs petits camionnettes petits bus comment c'est passé sans problème ils descendent jusqu'à Carrefour Aviation mais un Carrefour Aviation qui sale coupe un petit dent CNE, SNCRS, tu prévois nettoyer zone ça, mais zone sous pilotage automatique en face de l'hôpital Chancel, mérite un gros nettoyage. Situation pas bon même, c'est une situation qui est difficile. Dans le sud capitale, là, comment ça y est, machine qui a sorti Grand-Gouave, Léogane, machine qui a sorti Gressier, Mariani, Bodlo, capable de passer Matissan, Fontanara, sans problème pour matin. Mais matin, Matissan 23, yon, aucune chaîne pile fatra, c'est toute une véritable montagne. Et forme de ça, ou t'la crasé. Ta cause du ralentissement, surtout avec examen, yo. Mais on pile moun bre bonnet pour matin, hein. Mais zone non 12 par 8 pour matin, hein. Mais pour aller au GAN, plusieurs tibus sont commencé à charger. Pour aller, les au GAN, c'est problème pour matin, hein. Parce que l'autre cap chargé et pour aller, Jacques Mel, la Caille-Port, gagner du sel. Mais il y a pile l'autre bus cap chargé pour aller, Jérémy, la Caille-Pam directement. Mais sous besoin, il fait tout climatiser. C'est dans le par jour, monter union bus avec Dieu qui décide, sans problème pour matin, hein. Soit ce film dans notre capitale là. Attention! Ou pas capable de passer sur le soleil. Parce que nous sommes toujours là avec gros bagages dans les mains. On va virer Carrefour Vincent, on va sortir sur route nationale numéro 1. Et lorsque sur route nationale numéro 1, on va passer devant le commandant de Miradel, on va virer directement pour toi-même, on va aller dans le parc industriel là. Et bien c'est là, plusieurs gros bus savent changer pour aller au département nord-est, sans problème pour matin, la CAI ministre de l'Éducation nationale là. Et puis, gagner plusieurs employés facturés qui apportent pour aller travailler sans problème pour matin. Mettez cacheté, respectez la distanciation sociale. On a dit qu'on a virus là, toujours là, c'est sa ministère santé publique avec population mondiale. Nous. Si on a sorti 15 coffres matin, on a descendu sans problème, on a passé fait mat, on a descendu la boule, et on a viré et pèlé 5 devant, car le président, la COP là, toujours là, pour contrôler ce qui a passé dans la zone. Mais là, il y a des marchés cocoyés, marchés télélé, marchés nous, comment s'y mettre à terre sans problème. Et si on a pris des zones esquimales latines, vous allez sur route, faire sans problème pour matin, et bien, on a fait zone non, pas de problème, pièce. Mais là, il y a des carrefour académie, nous qui sont peignés matin, on veille ta bout de casé, nous toujours des ministres des sacs après, les cousins ça, il y a une situation difficile. Mais mon capot machine bois académie est capable de descendre le carrefour fléau sans problème pour matin. Et mon capot carrefour fléau qui parle quoi des bouquets, mais le carrefour marche à fond, il réfléchit. Les faits sont toujours là dans quoi des bouquets. Mais je n'ai plus le complet zone Duval. L'équipe bandit qui a fouillé le monde, gros âme dans main, tant de soleil levé. Dans le ministère de l'Éducation nationale, dans le DDO, dans le lycée Fimé, côté nous, nous sommes exactement dans le lycée Fimé. Nous allons parler rapidement avec le directeur départemental là, qui va dire nous comment ça y est. Devant les films, nous en colonne, machine, professeur, est-ce qu'il n'est pas satisfait, qui s'est fait? Il y a un monde qui peut vous croire toujours. Bonjour, directeur du Caraïbes FM, content de parler avant. Merci, bonjour, Sony, Max Sony, bonjour, tout auditeur, auditrice, et Radio Caraïbes, ainsi que tout émetteur en audio et journaliste qui l'a. Et souvent, il y a un pile machine, c'est pas satisfait, souvent, pas satisfait, au contraire, c'est disposition qui prend déjà en ligne pour aller distribuer, examiner dans différents centres d'examen. Ok, machine ça qui là, c'est pas machine professeur, c'est machine de tout le monde qui travaille avec nous, qui va distribuer examen, contrairement avec ça, me comprendre. Non, c'est ça, le dit. Ok, donc rapidement, nous connaissons quelqu'un beau parce que nous avons vu tous nos paquets de papiers devant, examen devant. Donc, qui préparation t'as fait? Est-ce que tout le monde va le composer? Est-ce que tout le bagaille 12 par 8 pour matin? Bon, en fait, nous n'avons pas avancé sérieusement là, puisque il y a des zones nous avons alimenté avec examen, comme on voit sur l'enveloppe d'examen et dispatch nos cap fait là. Maintenant, on connaît quelques petits monde qui parlent de la jeune fiche, qui a quelques problèmes, ça résout, et matin, à 6 heures, directeur l'école qui parle de la fiche pour le prendre, parce que fiche est disponible là. Et si tu as un problème, pour une raison, que nous pas arrivé à identifier, mais nous avons identifié après, mais nous permettre que les petits monde composé. Et si vous directeur l'école, ça rapidement, car elle récupère les fiches, la République des États-Unis, pas patate. Pierre Winel, Winé, Gaye, Jessel, Robert Céline, Dibol, c'est une bonne dernière question. On va passer directement dans 43-29-70-40. Mackinson Rémy, m'ta retourner avec directeur sous question fichio, puisque ça arrivait très souvent dans le dernier moment examen yo, ou avec des petits mouns, kabdou yo pas jeune fiche, qui j'ai un problème ça y est, est-ce que yo au courant ou un problème comme ça pour aller ça et qui répond sur poté à ça? Effectivement, nous reconnaître un problème ça, aller ça, et réponse qui fait, nous avons une équipe qui travaille pendant deux jours la Binex là. Prendre des doléances directeurs et fichiers imprimés, ça fait la balle au matin. Mais faut nous trouver une RLE, c'est un travail technique que nous devons faire et présenter à la presse. Parce que grand pile fois, si nous n'avons pas une fiche,
c'est information que directeur l'école yo pas bail de bonnes informations. Et parfois c'est fausse attestation ou bien si mon a été échoué la 9e année, l'entrée numéro d'ordre là, il pas qu'à saisir parce que si mon a pas réuni condition pour le saisir. Mais nous avons fiche qui va distribuer matériel pour dire tête produit doléance. Mais que doléance et pas de réponse parce que gain fiche qui fausse et gain attestation qui pas bon tout. Donc depuis le comme ça il ne peut pas arriver à saisir puisque le système dans lui-même l'a brisé de manière automatique. Voilà, et nous devons gagner le directeur départemental là qui t'a donné nos détails. Mais rapidement, on a regardé pour nous qui ça, auditeur, vous voyez du journal première occasion, dans 43, 29, 77, 40 là. Plusieurs passagers plaignent à cause de prix bus, autobus Jean Rabelio, si beaucoup descendent, ils ont demandé pour responsable ministère social, capable de dire mon question ça. Dans Duval 24, Duval 26, Duval 27, Duval 28, Duval 29, Duval 30, gang armé envahi et semble signaler la police pas arriver dans la zone ça. Population en plein et en pile, une équipe Timon dans la zone qui vient avec une équipe nèg de yo, qui a fouillé le monde sans problème pour matin. Nèg ça arrive juste Kafou Marassa, pour sa population zone nan dit, il m'a dit pour la police capable pour gérer question ça pour yo, parce que la situation est très difficile. Habitants dans le bloc Duval 24-26, toujours plein à cause d'insécurité, demandé à DH pour capable de faire un problème. C'était Benson Charles, Ronald Junior, Jean alias Azo, Zoti Blanc, c'est pas mine qui a un pile problème alias Tikeken. Demandé pour la police Fonjean et plusieurs citoyens, demandé à TPTC pour capable de nettoyer la ville en face collège CFCA, la ville ça qui plein rabouche. Le soleil levé, les lapis tombés sont véritables problèmes. Il m'a dit que c'est capable pour gens gérer la situation ça pour eux. Plusieurs citoyens toujours à plein à cause de route qu'on y a grand bois, qui est en mauvais état. Donc, depuis le film qui est Thomas, il y a route même, c'est Marel Capjouel. Il m'a dit que c'est capable de gérer la question ça pour eux. Une situation vraiment difficile. L'école musique, Némou Jean-Baptiste, a pourvu, il y a un séquissal dans la rue Maslin, numéro 33. Donc, tout élève, c'est Ronald Matisse, yo. Donc, nouvelle, ça, important pour nous. Pas oublier, numéro la police, c'est 114. Parler, si nous pas besoin. Tant ambulance nationale, c'est 116. Pour tout cas coronavirus, c'est 20, 43, 43, 33, 33. Sous quel problème, blossia, que t'as baillé, yo. Pas oublier, les dîners pas. Dans 59, 59. Mais sous quoi le grand, mais sous quoi le nom, zine, la gonave, sous quoi le Jérémy, la caille moins. Numéro semana, c'est 87, 22. Passez une bonne semaine sur Caraïbes FM. Merci, merci un pile, Mackinson, Rémi, 4x4 là, zami auditeur, qui était dans la rue Port-au-Prince, et qui s'est donné divers endroits dans l'air métropolitaine, là, t'as dit nous, comment un capital l'a levé pour matin, un capital en mal macaque, un pile monde capable de constater, c'est presque chaque jour son constat au quotidien, et donc, pour arriver dans le bloc Fontamara, depuis ce autre, et la situation en lui-même, l'imagomène, depuis la pluie tombée, de l'eau arrêtée, dormi, et sous autre là, et c'est une peut-être la conséquence qui fait route ça crasé aussi rapide parce que dans les affaires construction ingénieur toujours dit et puis go ennemi route yo c'est de l'eau depuis de l'eau arrête dormi des pas joindre côté pour l'aller c'est go dégâts donc quitter route rail des pour arriver devant marine haïtienne sont la navette total capital mon pral rencontrer avec la boue total là c'est depuis dans Fontamara 43 et passer devant médecins sans frontières arriver juste dans les avenues, son situation compliquée, situation terrible, vrai fatra, branche bois, la boue, total capital, la pluie, anti-de-l'eau, et puis le fond anti-de-l'eau, et qui passait dans tête mon nom, le passé prend tout fatra sa yo, vidéo sous route là, sans compter moun qui yo même, y'a vu si la pluie a tombé, qui te gen fatra la caillou, tout jeté la donne, fatra sa al comblé, c'est que ça rend circulation véritablement difficile. Et surtout, je dis, nous connaissons ces examens, élèves philo pour aller prendre la rue. Donc, nous t'ai parlé avec le directeur là, mais nous allons élargir davantage PRR avec d'autres responsables pour nous connaître comment ça a pied sur tout le département géographique pays d'Haïti. Oui, sur tout département géographique pays, en commençant par le département l'Ouest qui c'est Pigou district scolaire pays, j'en tape décrit le matin, j'en prends tout près, c'est levé, c'est dans l'ambiance ça, nous a dit, Bob, c'est plusieurs milliers de candidats effectivement. Pareil
dans quelques minutes encore pour prendre chemin salle examen yo avec Mackinson Remy tout à l'heure. Nous se trouvait dernier touche qui potait dans niveau département l'Ouest puisque il était parlé avec directeur départemental l'Ouest là et n'a pas rappelé c'est 119 287 candidats pour tout pays à cap gagné pour défiler dans examen philoyo examen qu'a fait pour candidat régulier candidat récalé mais pour classe nouveau secondaire yo avec nous en ligne directeur général ministère éducation nationale la professeur Méniol Jeune pour parler de dispositif yo sous tout pays à directeur bonjour nous comptons gagner avec vous dans occasion lancement examen officiel baccalauréat yo dans le nouyé là examen ça yo pral démarrer dans quelques temps encore qui sont cadis qui dernier touche est-ce que toute bagaille paré pour lancer examen yo. Merci Pierre Renel. Alors, moi, je salue FOXC et salue Gertrude Duzel et tout un staff de Radio Caraïbe FM, tout auditeur, toute auditrice, particulièrement et tout candidat qui va participer dans quelques secondes, dans quelques heures. Alors, on t'a dit, dans l'examen baccalauréat. Donc, nous capables de dire, Jean-Wadin Noir, Pierre Renel, c'est que. Et normalement, on a parlé là, et nous mettons tout les points sous IO, qui donc, à travers tout département, nous avons déjà gagné les directions départementales, et qui déjà est disponible pour accueillir candidats, pour accueillir tout le monde qui peut jouer un rôle quelconque en réalisation du examen officiel. Là. Mm. Donc, nous sommes capables de dire, et pour mobilisation totale de tout haïtien, de toute haïtienne, parce que l'examen ça qui va le faire là, il concerne eh bien haïtien, haïtienne à la ronde badelle, il concerne petit mio, il concerne cousin, cousine, j'aime dire de temps en temps, frensen, ça veut dire pas gagner et aucun souci, puisque c'est un examen qui prend à réaliser par tout le monde, parce que en fait, là nous dit examen officiel, par exemple, on a parlé du baccalauréat, eh bien, nous pas et opposants au pouvoir, nous pas partisans au pouvoir, c'est tout le monde en général, et là, qu'a dit la police, la justice, commissaire gouvernement, puis tout le monde en général, la presse, qui prend un siphon total, et d'ailleurs, c'est pour même tout, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Donc, nous avons dit, et les textes, tout ça qui est capable de concerner la réalisation de l'examen matin, nous même nous prêts. Ouais, c'est ton année spéciale avec crise qui t'est marquée année 1, plusieurs, et t'as dit que c'est trop politique ou bien crise sanitaire, coronavirus là, qui t'est fait que Timounio Padgon année complète, ou année remplie. Est-ce que nous tenons compte de ça dans l'élaboration examen yo, puisque c'est une préoccupation Timounio, directeur général? Oui, oui, alors j'en dis là, on connaît un pays à traverser et deux événements majeurs, c'est le cas dit le concert, et pour exercice 2019-2021, parce que pas oublier, je dis à nous, c'est vrai, dans le premier mois de l'année 2020-2021, mais l'examen qu'on a réalisé, c'est l'examen pour exercice 2019-2020. Bon, si nous, ouais, c'est la période, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous connaissons un problème politique qui te fait gagner un trimestre, on a dit comme ça, qui était déjà perdu. Et ça a fait le fait, nous avons mis un programme à compétences minimales et nous avons modifié le calendrier scolaire là. Et ça a été fait à partir du mois de décembre de 2019. Et puis, et à partir de mars, nous tout connaissons COVID-19 pour aller rentrer l'école dans la bataille là. Et puis, l'école encore pour aller retourner et fermer. Et c'était un mois août, nous pour aller reprendre l'activité scolaire. Et nous connaissons pour nous diriger avec la reprise de l'activité scolaire. Et puis, nous avons ensemble d'activités réalisées, de réunions, de rencontres. Et ça, nous avons finalement
abouti avec un programme minima. Et pour là, nous n'avons pas un programme à compétence minimale, là, mais ce programme minima. Et nous tous nous songeons aussi que le ministère a mis le programme de formation en ligne, et puis calendrier a travaillé encore modifié. Et nous avons voyé dans chaque département de formateurs qui t'apprend à faire des coups de rattrapage et pour tout candidat. Et finalement, nous préparer un examen qui répond à ça. Un examen qui va le faire sur nos programmes minima et qui tenait compte de sa candidature qui est dans sa place. Parce que là, nous parlons de évaluation des apprentissages, et bien là, on dit là, nous évaluer et candidat en fonction de sa qui est dans sa place. Et c'est pour ça que nous demandons avec tout candidat nouveau, tout le monde qui va lui en rôle, alors surtout en parler du candidat hôpital, pour le cas très serein. Et très calme, avec toute quiétude d'esprit que examen la répond et avec toutes conditions que ça doit gagner la donne. Ça veut dire, et évaluer, je dis là, en fonction de ça ou de la classe. Et c'est pour ça, nous avons un ensemble de consignes, nous manquons plus respecter parce que nous ne pas vraiment que les candidats nous sont victimes de ça. Et ça, que nous prenons le soin de temps en temps pour nous capables de parler de conseillers. Et conseiller, ça n'est pas pour seulement pour les candidats, mais aussi pour les responsables, mais aussi pour tout le monde qui peut avoir un rôle dans l'examen. Donc ça veut dire pas qu'il n'y ait aucune inquiétude pour tout candidat nous pour être capable de suivre normalement l'examen officiel. Ça ne casse pas aussi bon succès. Et tout le monde qui va participer, nous demandons une bonne participation et tout acteur. Et puis nous disons tout le monde en général, et là, pas gagné aucune division, parce que l'examen baccalauréat, c'est l'examen qui pourra valider à l'espoir 2019-2021 pour tout petit monde niveau. Tout ça qui nous suit, et c'est peut-être ensemble pour nous mettre, c'est union fraternelle pour nous, pour nous prioriser, c'est plus ensemble, d'une façon pour que l'examen en fait, dans tout calme, dans toute sérénité, dans toute folie, tout le monde a mettre tête ensemble, d'une façon pour que, effectivement, nous arriver à une réalisation d'un examen officiel qui est correct, qui répond aux faits. Bon, c'est engagement ministère de l'Éducation nationale, l'examen l'État. J'en saute pas les lents, ou prescrit Timounio la sérénité, calme, quiétude d'esprit, c'est encore mieux. Mais vu quantité candidat n'a pas recevoir dans l'examen ANESA, qui mesure qui mettait en place directeur pour capable protéger Timounio face avec COVID-19 là, Corona, est-ce que nous augmenter Santio et distanciation, est-ce que la respecter, parler avec nous? Oui, merci beaucoup Bob. Nous sommes capables de dire toutes mesures sanitaires, toutes dispositions sanitaires. Et par exemple, nous avons dit nous respecter les conseils scientifiques parce que nous connaissons gagner de discussions qui fait autour de l'ensemble de candidats qui ont gagné dans sa place. Et bien c'est jusqu'à 30 et c'est pour ça. Puis il faut candidat qui a été dans sa place étrange. Et nous avons des conseils clairs, net, qui sont passés à toute direction départementale. Il y a une façon pour être capable d'accueillir les gens dans des salles qui répondent à ça. Ça veut dire, et tout ça, ils ont respecté. Et mesures d'hygiène, mesures d'autorité sanitaire dans le pays, nous, nous devons tout à respecter, ça veut dire faut que nous respections les paramètres de distanciation, faut que nous mettions des masques et faut que nous lavions. Et tout ça est déjà prêt et est déjà disponible dans tout côté de l'examen matin. En termes de chiffres, nous connaissons à peu près combien candidats qui doivent participer dans l'épreuve matin. Nous avons un chiffre qui parlait de 119 287 candidats, mais ça m'a demandé combien surveillants et examen ça a coûté trésor public, coûté l'État haïtien combien? Bon, nous sommes capables de dire, alors il est vrai, et moi pas voulais pas un chiffre comme ça, ça me pas de temps et préparé pour me dire quantité et l'argent ou bien ça va coûter, mais nous connaissons c'est plusieurs et millions de gourdes parce que c'est un examen qui est très coûteux parce que avec plus un peu plus de 120 000 candidats parce que nous avons 119 000
287 candidats, ça c'est chiffre officiel, mais nous connaissons aussi quelques petits capables traités qui ont fait légèrement une loi gagnée, deux, trois candidats qui ont ajouté, ce qui fait que nous sommes capables de dire un peu plus de 120 000 candidats. Donc ça veut dire que nous gagnons un peu plus de centaines de surveillants, un peu plus de centaines de corrupteurs, de responsables du centre. Ça veut dire que nous sommes capables de plusieurs centaines de monde qui sont directement impliqués dans la réalisation des examens officiels baccalauréat matin. Merci. Oui. Bon, on a une question, directeur. Est-ce que c'est possible, par exemple, pour un élève qui peut aller dans l'examen philo pour première fois, joindre Fichli qui écrit libre, élève libre? Non, il n'est pas possible parce que le candidat, il peut saisir déjà dans le ministère, il peut là déjà, c'est pour la première fois. Donc, il n'est pas capable de participer comme candidat et dans le baccalauréat permanent. Mm-hmm. Est-ce que l'examen sérieux a déroulé à la fois pour régulier et pour recalé, gagner SN4 qui c'est nouveau secondaire là? Et m'expliquez-nous comment nous répartis les candidats dans différents catégories sérieux. Oui, alors nous sommes capables de tout candidat à proposer, pas gagner, alors à gagner en première partie. Mais pas gagner de pas gagner en séparation, nous faisons entre eux. Sauf alors pour NS4, ça cap différencier yon candidat NS et NS4, yon candidat et philo traditionnel avec baccalauréat permanent, et c'est capable texte d'examen. On nous dit que c'est trois groupes de candidats qui vont participer à l'examen à matin. Bon, première catégorie, c'est candidat et philo traditionnel. Ça ne dit les philo longtemps, ça ne dit qu'on est là. Bon, deuxième catégorie, c'est NS4. Ça nous est le secondaire rénové. Mm-hmm. Et puis, la troisième catégorie, c'est bac permanent. Ça nous est le candidat récalé. Donc, toutes trois, ça nous va proposer. Nous avons dit, pas bien même texte d'examen. Alors, dans une série de disciplines. Parce qu'on connaît là, nous dans NS4, nous gagnons ça où il est, une série de spécialisation. Ça veut dire qu'on sait que des champs de spécialité que chaque candidat a gagné, qui fait que même si le candidat a gagné la même matière avec l'autre groupe, mais il n'y a pas gagné même examen. Donc, il n'y a pas composé aussi sous même quantité de points. Donc, c'est ça qui différencie de l'ensemble de candidats nous gagnons qui prennent le subi examen matin. Directeur général, est-ce que nous prévoit des cas spéciaux pour Jean Saté fait l'année dernière? Son directeur de l'école qui m'a dit ça, il dit qu'il y a 49 élèves l'école, en fait, élèves philo, qui pourraient le composer, tout à l'heure, qui pourraient le composer Bellance, il y a 5 là-dedans qui ne pas jouer une fiche, tandis que toute information est correcte, responsable Jacques Melio, le chercher reste fichu, il a dit qu'on a un problème système. Donc, est-ce que nous prévoit des cas spéciaux pour tout le monde qui va jouer une fiche? Anessa, même gens ça a été fait l'année passée pour après, elle vérifier est-ce que tout le monde ça effectivement a un problème dans le dossier. Très sincèrement, le ministère de l'Éducation nationale a fait un pile effort pour que qui pas rentrer, qui pas tomber dans le cas spéciaux. Un pile effort est fait auprès du ministre de l'Éducation nationale et auprès de nous toutes en général, et même auprès du gouvernement d'ailleurs, qui n'est pas intéressé, qui n'est pas aimé les candidats à la carte spéciale là. Et c'est pour raison ça qu'il y a une fait pour que depuis candidat est passé en 9e année fondamentale, donc il n'y a pas de problème. Alors s'il passe dans notre place, même s'il passe à temps, parce que vous songez, pour un candidat arrive et proposer un baccalauréat, condition est que le candidat pourrait passer en 9e à temps. Donc, nous pas mettre ça en vigueur parce que nous disons si candidat passe en deuxième, quel que soit elle passe, nous quitter ça pour éviter de gagner 4 jours. Seul candidat qui n'est pas capable de participer, c'est si candidat ça, il faut qu'on passe en 9e du tout. Si faut qu'on passe en 9e lui-même, il n'est pas capable de gagner. Et donc, nous avons nécessité pour nous dire. Nous résoudre, alors nous avons raison pour nous garder, je ne dis pas nous résoudre le problème ça, il est très difficile pour nous gagner un cas spécial. Mais nous avons un petit problème dans le système
qui va permettre aux candidats de gagner un progrès physique composé, mais qui ne partent pas dans la casse parce qu'ils nous gagnent pile en pour nous faire dans ce sens. Et il y a la valorisation de l'être directeur général et prix de l'excellence, les faits, il y a presque dans tout pays, à chaque fois, tout le monde subit une épreuve, et puis lauréat, toujours un encouragement que le ministère Lambayo soit réuni, félicitations, et parents, ça qu'on fait fierté parents, ça qu'on encourage tout le monde. Tout. Ça nous joue en pile plein dans ce sens. Et surtout, des élèves qui disent que vous pensez que le ministère là a fait une cérémonie pour capable honorer en fonction des résultats. Vous avez un examen. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je parle avec en pile l'école qui a eu l'oreille dans ce sens. Qui dit pas de trop grande activité. Dans ce sens, Timon yo, li pas fouetté orgueil l'autre Timon yo pour faire succès parce que yo pas honoré yo. Gen élève que me parlait par exemple un collège dans Kafou, pour ce collège Catherine Flon qui te baille en pile lauréat dans ce sens, mais pas de gen rien que fait pour encourager Timon yo qui sont capables de dire ça. Et pour le samedi dire Bob, président de la République, son excellent journal Maurice, lui extrêmement intéressé dans et par possibilité à tout candidat, à tout lauréat de prime d'excellence, de bourse d'études, et on va du laptop, tout ça. Très bien, pas très bien. Pas oublier exercice 2018-2019 là, l'être de fin de baccalauréat, et t'as pas gagné un pile problème. J'ai ça depuis au mois de septembre. Ok. Un pays avait une tête en bas, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre. Nous sommes ça en mois de décembre. On a, ça vient de faire un paquet de projets qui étaient gagnés. Et lorsque nous venons en janvier, nous prenons un petit souffle. Et puis, dans le mois de février, nous tombons déjà au fond de la époque, il n'y a pas de problème dans le pays, problème d'esprit, peur, crainte, etc. Au mois de mars, pour pas gagner officiellement le coronavirus, ça veut dire que c'est une année qui était bourrée à problème. Et tout ça, il y a une fête d'objectifs, des bagailles, nous avons préparé, nous avons planifié, c'est vrai, ou pas que t'attends. Mais nous, ça nous est comme garantie, c'est que prime d'excellence là, ça c'est une bagaille que ni président de la République là, ni premier ministre là, ni ministre de l'Éducation nationale là. Et nous tous, nous extrêmement intéressés et nous disons à tout candidat, pas de doute dans ça. Il y a besoin d'une prime d'excellence parce que ça, c'est une bataille qui est rentrée dans 20 gouvernements, particulièrement président et ministre de l'Éducation. Donc, pas qu'un doute dans ça. Nous demandons des candidats, mais travaillez très sérieusement pour que vous lauréat et si nous avons tout lauréat et nous avons fait tout effort possible. Ah, gouvernement, bien sûr, pour que les candidats arrivent à une d'excellence. Sans bien comprendre, réponse qu'on a là, nous pas jeter dans le panier de l'oubli. À n'importe qui moment, les cérémonies a toujours faites pour honorer Timon Sayo en fonction des succès ou Tibaï dans l'examen. Exactement. On a fait tout effort possible pour ça faire. Très bien. En ce qui a trait à texte d'examen, comment nous réagissons à ça par rapport à question COVID-19, question élève lycée qui est dans la rue, qui a manifesté, qui n'a pas de gain professeur. Et comment nous gérons ça dans ce qui est pour avec texte d'examen, Anissa? J'en dit tout à l'heure, texte est fait selon le programme minimum. C'est un programme minimum. Bon, différence entre un programme à compétence minimale et un programme minimum. Et pour ça, nous avons dit que c'est un programme minimum. Pour nous avoir une garantie, parce que ça dit à la vérité, il y a des petits problèmes, côté que l'enseignant n'a pas de travail. Et pour nous garantir ça, eh bien, nous avons fourni de formateurs souterrains dans chaque département afin de pouvoir rattraper. Qui donc, texte nous répond avec ça. Et ainsi, en plus, nous avons un ensemble de contenu. Et pour autant de l'information, on est voyé dans tout le papier. On tenu ça, c'est là-dedans, encore texte là. Et texte là, j'aime dire depuis le commencement, il répond avec toutes conditions que ça peut exiger. Merci beaucoup, directeur. Bon travail, bonne journée. Merci, bon travail aussi.
D'accord. Voilà, donc on a toujours été Bob, mais avec un dossier ça qui passait, non, ça c'est un beau mot, Pierre Renel, le côté gagné en quantité d'élèves, nous apprennent qui a tombé enceinte Jérémy, le département de la danse pays. Oui, Jérémy. Oui, avant nous aller dans la politique, nous avons regardé comment Dakar un dossier ça matin, Pierre Renel, avec Franck Elmaginaire et de l'autre responsable que nous avons bien pour nous parler. Oui, avec Frankel Imaginaire, juste après que nous parlions avec responsable organisation locale qui menait enquête ça, et il est après à le constater ça, après reprise activité l'école suite à période de confinement, il était constaté un trou dans présence en classe, côté des grands pile timoun qui pat présenté à l'école, et suite à enquête initiative départementale contre timoun, il a découvert 66 timoun qui tombaient enceinte en seule l'école, le jeune 41 timoun dans lycée commune Beaumont, gagné 15 tifi qui tombé enceinte. Question, c'est dans qui condition yo tombé enceinte, et nous pralouer ça avec coordonnateur Idetlan qui c'est initiative départementale contre timoun en département ça, monsieur Gérard Guillaume qui est en direct avec nous. Guillaume, bonjour. Bonjour Pierre Gnel, bonjour Guerrier, bonjour Bossé, bonjour tout le monde. Alors c'est une information qui depuis semaine passée a fait parler de lui dans le département, mais pourtant nous pas senti, et autour de ça passé a une mobilisation de société a tout au moins dans le département côté sotia, et ça passé, expliquez-nous comment situation ça arrivé, est-ce que son réalité même qui lié à département, mais d'abord concernant Kassa même 66 timoun tombé enceinte pendant période confinement, et c'est de timoun qui fréquentait l'école, chiffre au palais de 120, puisque avec direction départementale sanitaire là, nous gagnons de sous qui allait jusqu'à 120 timoun, donc ou même qui t'est mené enquête ça pour IDET, dis-nous qui ça nous joigne effectivement, qui ça qui est à la base de la situation ça. Bon, effectivement, c'est que gagné directeur de l'école collège de la prophétie Arnel Desrosiers qui était lancé un cri économique à mon avis, puisque il était constaté qu'il y a des bénédictions scolaires au niveau de l'école li, que l'était permettre que l'était lancé criant. Oui. Et à partir de cri ça que l'était lancé, hein, qu'on est à nous autres en tant qu'organisation défense droit timoun en le département, nous t'es chita avec IBSL, avec divers partenaires au niveau de GTP Réunion, pour nous te garder, à le fond, j'ai gardé qui s'abagalaye exactement. Et en fait, nous te voyons en première mission au niveau de Beaumont, qui est à le fond évaluation, et première mission évaluation qui confirmait que vraiment il y a des timons qui tombaient enceintes. Du coup, nous voyons deuxième mission, qui était à le faire en mission de porte en porte, en enquête, pour nous être capables de arriver, ouais, timounio, et qu'on est dans qui condition qui arrivent enceinte, parler avec eux. Et naturellement, pendant au cours d'enquête là, et jusqu'à présent, enquête là en cours, nous avons déjà rencontré environ 39 timons sur 41, qui c'est des timons qui trouvaient enceintes en pile là-dedans. C'est des timons qui enceintes pour élèves dans l'école là, c'est des timons qui enceintes pour l'autre majeur dans la communauté. Hein. En fait, enquête là a continué, puisque en pile l'autre information, il y a en pile l'autre école qui est des timons qui tombaient enceintes, et surtout dans la période de confinement. Donc c'est pas détournement mineur, c'est pas de professeur ou directeur de l'école qui fait violence sexuelle sur eux, donc c'est dans le rapport que vous avez avec Timoun et gagne grand monde toujours dit. Hein. Naturellement, gagne grand monde, gagne détournement mineur, puisque gagne des Timoun à 13, 14 ans, 15 ans, bon, c'est viol, puisque c'est des Timoun qui pourquoi gagne maturité, qui pourquoi gagne l'âge pour ta rentrer dans la question activité sexuelle. Et mais gagne tout. Et y a un petit monde par exemple qui a cette cancer lui, maman dit bon pas voulu, le père représailles, il est obligé de rester occupé visite lui. Mais faut me dire que Pierre-Nel Lamine n'a pas parlé là, enquête là, n'a pas vous sur lui, puisque il y a un peu l'autre information que nous gagnons, que nous
travail sur eux. Est-ce que vous avez une enquête judiciaire et parquet? Pour enquête judiciaire, là, au niveau de GDPIA, IBSR, IDET, l'autre organisation qui est la GDPIA, nous avons déjà adressé en correspondance à chef parquet à Jérémien, maître André Marie Piram, pour alerter les situations. Jusqu'à présent, nous connaissons à qui point la justice ouvert sur la question. Dans la communauté, même dans Beaumont, comment ça percevoir les Mounio, l'un enquête qui. Qui Jean Mounio, société, la population, t'as capable d'y comprendre ça? Bon, réactions diverses, il y a des gens qui comprennent très mal, il y a des gens qui comprennent tant qu'on fait divers, il y a des gens qui montrent, bon, ça va gagner presque normal. Ok, et c'est la bagaille qui lie tout à plusieurs facteurs. Il y a un facteur socio-économique là tout qui joue tout ça en pile par rapport à question Timon Sejan dans la section communale très reculée qui vient de l'école de la ville qui n'a pas vraiment bon support économique qui a qu'un bio pendant toute une semaine. Mais là, ça n'a pas joué un bon prochain qui supporte eux et là, ça a joué n'importe monde qui rentre dans la situation. Deuxièmement, il y a une situation Timon qui rentre dans l'activité sexuelle trop bonnet. Puisque l'école n'a pas bénéficié sans carrer les formations pour permettre aux gens de gagner une éducation sexuelle, discuter avec eux, et gagner une activité éducation physique autour, qui ne vient pas faire de l'école là, puisque les gens n'ont pas fait sport, les gens n'ont pas fait activité culturelle, mais les gens n'ont pas gagné l'autre loisir qui est question sexe. Pour qui ça c'est Beaumont? Et pour que ça c'est Beaumont, ça a été en point d'interrogation, et les gens doivent dans plusieurs autres communes dans le département. Comment? Oui, donc mais enquête sur élargie. Oui, enquête là va poursuivre, enquête là va poursuivre. Il faut me dire que enquête là, on a continué avec enquête là pendant toute semaine ça, pour que nous sortions un rapport définitif par rapport à la quantité de monde que nous rencontrons et qui se fait quoi exactement. Mais cependant, il faut me dire que question ça allait lier tout à la question viol sous mineur dans la grandeur qui, pendant des temps, yo, que par rapport au travail que nous-mêmes au niveau de GTP on a fait, par rapport au travail de tirer de sensibilisation a fait tout en pile par an, des possibilités je dis à porter plainte et en pile monde tout qui a possibilité de dénoncer qui pas senti qu'ils auront des victimes parce que question lié directement plus aux mineurs en le département. Vous dites qu'il y a 13 ans 7 également et 13 14 ans. Est-ce que nous envisageons la majorité jusqu'à 17? Donc c'est de Timoun qui sorti de famille vulnérable. Situation ça a vint compliqué encore situation ça crivé a vint compliqué davantage situation socio-économique. Est-ce que au niveau de association ça initiative départementale la IDET nous entendre accompagner ou porter assistance à famille ça? Bon, naturellement, c'est des petits mondes, situation économique très très difficile qui pral augmenter situation de pauvreté et même au niveau sanitaire. Donc on est en face de sanitaire et pour parler quand c'est mon ça qui pral besoin côté pour accoucher et François Timono. Mais nous autres, au niveau de l'IDET, nous avons discuté avec d'autres partenaires puisque c'est en réponse transversale puisque par rapport à ça qui vient, non seulement c'est pour gagner des activités qui doivent être liées à prévention pour ça pas arriver à l'autre Timono dans notre communauté et dans notre école, mais tout c'est garder qui réponse transversale qui travaille à Timono Fayo, qui non seulement pour le besoin à l'école après accouchement et qui pour le besoin de prévention de bébé et par rapport à la situation économique et qui va le besoin de tout, une véritable sensibilisation pour que l'actuel ça pas arriver à répéter encore, pour que Timounio ait une possibilité pour épanouir, pour le développement intégral. Merci Gérald Guillaume, on a rappelé, on a dirigé IDET, qui c'est l'initiative départementale contre Timoun dans le département Grandens PIA, c'est à la faveur de enquête ça. PIA connaît situation 66 fillettes Sayo, Tifi, dans le département qui est tombé enceinte, particulièrement dans la commune Beaumont. Il y a possibilité à ce que situation ça allait répéter dans l'autre commune à travers le département. Nous allons parler avec correspondant nous, Frankel Maginaire, qui est sous place dans Jérémie et qui a gagné plus.